c'est lundi. Il est 10h30, je viens de me faire réveiller par le PS parce qu'il y avait un colis. Colis à sauce. J'ai fait une commande. Regardez-moi la taille de ce colis. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Enfin bref, moi j'ai travaillé cette nuit. Donc là, je file retourner me coucher parce que je veux bien me lever tôt pour profiter, pour reprendre un rythme de jour. Mais là, 10h30, c'est un peu tôt. Sachant que je me suis endormie un peu plus de 9h au lit. Bon, il est à peu près 15h, je me suis réveillée. Oh, j'ai le hockey là, déjà, quand je me suis endormie à 9h ce matin, j'avais le hockey. C'est chiant. Ouais, du coup, je me suis dit, allez, on se réveille. Je me suis pesée, j'ai pris mes mensurations aussi de tout. Poitrine, buste, taille, biceps, tout. Parce que je vais reprendre une bonne alimentation et le sport à partir d'aujourd'hui. Bon, il faut que je finisse le Mondor. Je vais pas le laisser périmer. Et là, je vais pas manger de petit-déj comme il est 15h. Aujourd'hui, ce sera encore un peu... Voilà, faut que je finisse mon assiette de Mondor et il m'en restera encore un petit peu. Que je mangerai, je pense, en fromage. Même s'il n'y a pas de fromage, du coup, dans les repas. Mais après, moi, mon but, c'est pas une perte de poids. Parce que là, j'ai perdu du poids, mais en fait, c'est de raffermir et perdre un peu de graisse. Parce que là, je suis en poids qui est plus bas que j'ai déjà été. Genre, je suis plus autour des 50. Souris, je n'avais plus de batterie. Oui, je disais que j'étais en poids qui était plutôt... bas entre guillemets, hein, il est pas bas, mais disons que des fois je suis plus haute que ça. Mais tout simplement j'ai perdu je pense un bon kilo de muscles vu que je ne fais plus de sport. Et du coup bah, j'ai un peu plus de graisse, donc niveau poids je suis bien. Mais niveau comme je me vois, bof bof quoi. Faut aussi que je fasse des photos, j'ai oublié ça. Ouais, je vais aller trouver avec quoi je fais des photos. Donc voilà, comme quoi il faut pas toujours se fier au poids. Moi j'ai une balance qui fait la masse graisseuse, la masse hydrique et la masse musculaire, voilà, je cherchais. Du coup voilà, niveau masse graisseuse je suis pas catastrophique du tout, mais il faut juste que je me raffermisse un petit peu, voilà. Ah, je me suis tout remis en pyjama, je me suis tout habillée en pyjama et j'ai pas pris les photos. Oh, c'est chiant, c'est ok. Mais il faut que je trouve avec quel sous-vêtement je fais. Parce que là, ce que j'ai sûrement, je peux pas faire avec ça. Parce que sinon, je pourrais jamais vous montrer. Je déteste faire les photos comme ça. Parce qu'en fait, moi, quand je me prends photo pour mon compte Insta, j'essaie de faire en sorte que la pose, l'angle et tout soit le mieux possible. Et là, il faut faire les photos en mode brut. Genre en mode. On s'en fout parce que c'est pour voir une amélioration. Et je déteste. Genre, moi, si j'aime pas trop comment est mon corps et tout, je me prends bonne photo de moi-même, quoi. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais t'es bien, nanana, mais t'es mince, nanani, pourquoi t'aimes pas Écoutez les gars, peu importe le poids qu'on fait, on sera jamais satisfait de ce qu'on a. Et je peux ne pas être satisfaite de mon corps, même si pour certains j'ai un poids qui va être bien, j'ai une taille qui va être bien. Mais chacun sa vision des choses. Et puis on a toujours une vision de soi. C'est très souvent qu'on a une vision de soi qui est moins bonne, on va dire, que celle des autres. Voilà. Je vais faire les photos et seulement après je peux manger, puisque si je fais les photos après avoir mangé le Mondor, mauvaise idée. J'ai fait les photos, c'est bon. Je vais finir mon assiette. Mais ben, c'était pas grand chose en fait. Ouais, du coup je suis restée en brassière. Et ensuite je vais organiser devant Netflix. Là, je regarde Murder sur Netflix. Et je vais organiser devant Netflix. Un peu mes repas, qu'est-ce que j'ai comme légumes, qu'est-ce que je vais manger. J'ai imprimé les plans alimentaires, tout ça, comme ça j'ai tout sous les yeux. J'aurais bien voulu les mettre sur mon frigo mais j'ai pas d'aimant. Donc au pire je mettrai un bout de... juste un bout de scotch histoire d'avoir tout sous les yeux. Je trouve c'est plus simple. Voilà, j'ai imprimé les feuilles aussi avec quels légumes étaient de catégorie 1, donc c'est les moins caloriques et tout ça, tout ça. Bon, sinon je vais ouvrir mon colis à sauce. De toute façon je vous filmerai le Trillion Haul. Je pense que je vais filmer aujourd'hui. J'ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir si vous préfériez avoir celui Asos ou Shein en premier. Donc j'attends les réponses. Mais je pense que je vais filmer les deux aujourd'hui. J'aimerais bien comme ça, franchement. Je monte tout ça et ce serait fait. Parce qu'après je vais reprendre le sport et tout. Et j'aimerais bien ne pas me laver les cheveux tous les deux jours. Comme je suis en repos. C'est la première fois que j'ai un colis Asos aussi gros. Mais c'est quoi ça? Ça doit être les chaussures. Je crois que j'ai commandé deux paires de chaussures.
Mon dieu, la grosseur de ce carton. Changement de programme, finalement ce sera pas aujourd'hui que je vais filmer les vidéos haul, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'était en fait j'étais en lendemain de nuit, donc là c'était un peu la fatigance, tout ça tout ça. Donc du coup demain je filmerai tout ça. Là j'ai pris mon goûter il y a un peu moins d'une heure je pense, mais je vais me mettre en tenue de sport, comme ça ça me permettra de rester motivée. Hop. Et même là, si je maigris un peu, ça va bailler. Hein. Voilà, je répète encore une fois que mon objectif du sport, moi, c'est pas du tout une perte de poids. Je me sens mieux quand je fais plus de poids parce que, en fait, quand je pèse plus, c'est que j'ai moins de gras et plus de muscles. Donc voilà. Je pense que je vais aller monter un vlog là, en attendant de finir de digérer. Et ensuite, je ferai mon sport. Je sais pas encore où je le fais, je pense que je vais faire dans le bureau à côté, c'est là où il y a le plus de place. Avant de commencer la séance, on s'attache les cheveux parce que, alors il y a des filles, bon moi j'ai pas les cheveux hyper longs, mais il y a des filles, elles ont les cheveux super longs et elles font leur séance les cheveux détachés, mais je sais pas comment vous faites. Moi j'ai à peine un cheveu sur les, devant les yeux, ça y est ça m'énerve. Mon installation est prête, en plus c'est trop cool du coup parce que j'ai mon miroir. Voilà, j'ai mis ma petite tenue et j'ai mis des baskets. Voilà, c'est des Nike, je sais pas, je pourrais pas vous dire le modèle. Ça fait un moment que je les ai. Voilà. Et je les utilise quasiment qu'en intérieur, celles-ci. C'est pour ça qu'elles sont plutôt propres. Je crève de chaud les gars, ça fait du bien. Je vois la fenêtre parce que là j'avais trop chaud. Je voulais pas ouvrir les volets, ça aurait fait plus d'air, mais j'ai pas trop envie que les gens me voient faire mon sport. Hein. C'est bon, j'aère un peu. Il est 20h04, je suis en train de faire à manger. Je vais pas avoir faim tout de suite. J'ai quand même de bon. Je vais pas avoir faim tout de suite, je le sais, mais je prépare déjà à manger. Je vais me faire une salade ce soir. J'ai mis à chauffer les pâtes, j'ai fait cuire des lardons. D'ailleurs, c'est des lardons de dinde et je trouve ça vraiment pas ouf. Ça vaut pas du tout les lardons de porc. Pourtant je kiffe la dinde hein, mais les lardons de dinde je trouve c'est pas... mais il m'en restait un paquet qui est périmé là, donc il fallait que je le mange. Donc je vais finir et j'en rachèterai pas je pense. Dommage parce que c'est moins gras que les autres lardons. Mais bref, ça j'ai fait cuire des pâtes et je vais rajouter tomates, peut-être des asperges, je pense, je vais voir. Mais d'abord il faut que je mange, enfin que je boive mes petites protéines. Faire avec un peu d'eau fraîche après mon sport. Et puis de toute façon vu que c'est une salade, faut que j'attende que ça refroidisse, donc je mangerai plus tard. Je vous ai dit que j'allais manger avec des asperges, j'ai plus d'asperges. Un peu de salade mais vraiment pas beaucoup. Est-ce que je me prépare un peu de poivron? Bon, j'ai un peu fait griller mes lardons, vous allez voir, mais c'est pas grave, ça ferait un peu de croquant dans cette salade. J'ai juste mis du vinaigre balsamique parce que moi les lardons c'est déjà gras, mais je vais mettre un autre vinaigre parce qu'en fait il m'en restait une goutte, il faut que je rachète. Je pense que je vais faire un petit drive pour mercredi, ouais mercredi, parce que je reçois des colis Amazon. Point relais, je reçois, j'ai fait une commande pour Noël, je vous ferai un haul en point relais demain ou après-demain. Donc en fait je vais faire une seule sortie mercredi où je fais où je vais chercher les colis, le drive, tout ça pour éviter de sortir 50 fois. Et du coup qu'est-ce que je vais mettre comme vinaigre? Vinaigre de cidre. Et bref, du coup faut que j'achète absolument du vinaigre balsamique parce que c'est la base. Et voilà ma salade avec mes trucs grillés là. Ah là là. Et avant de préparer mon drive, j'aimerais bien faire un petit rangement des placards de la cuisine. Avant toute chose, c'est donc l'heure de boire le shaker. J'ai pas mis trop d'eau parce que je me dis si c'est pas hyper bon, que j'ai pas une quantité énorme à boire. À l'odeur déjà, ça sent bon. On va voir. C'est pas mauvais. Après, ça a pas hyper le goût de chocolat. Je trouve que les protéines en poudre ont souvent un goût plus
sucré que vraiment de chocolat. Moi j'aime bien le chocolat noir, vraiment qui a le goût de chocolat. C'est pour ça que j'avais pris le truc chocolat noir. Mais là du coup j'ai pris sur MyProtein. Mais sinon le meilleur au chocolat je trouve c'est celui de Natural Mojo. Celui-ci là, le Fit Chocolate. Sinon une saveur que j'aimais trop sur MyProtein c'était fraise crème là. Bon vous allez pas me regarder boire tout mon truc quand même. Allez je vais manger je pense. Parce que bon il va déjà être 21h. Et je vais mettre Netflix. J'ai commencé la série Murder. Je suis à l'épisode 4 je crois de la saison 1. Et franchement c'est pas mal. Et je crois qu'il y a genre 6 saisons. Donc il va y avoir du temps avant de la finir. Et je pense que je vais vous refaire une vidéo comme je faisais avant. Genre mes séries Netflix du moment. J'aimais bien vous faire ça. Je m'étais même pas rendu compte mais il va bientôt être minuit. J'ai envie de manger un truc sucré. Donc je pense que je vais aller chercher une compote avant de craquer pour des bêtises. J'ai fait du montage là. J'ai monté 3 vlogs en tout aujourd'hui donc c'est bien. Hop, ma petite compote, je vais la manger devant maman et Célèbre parce que... Quand je regarde l'épisode d'aujourd'hui, je vais essayer de pas me coucher trop tard parce que là j'ai fait 2 jours de nuit donc j'ai un peu le rythme de nuit. Donc je vais essayer de pas m'endormir trop tard, genre de dormir après cet épisode parce que on prend un rythme un peu de chaud quand même.